Les citrouilles brillaient et éclairaient la pénombre de ce 31 octobre. Les enfants, déguisés en petits monstres, couraient dans les rues en criant bonbons ou farces à tout bout de champ. On te laisse la maison, Josh, cria ma mère du rez-de-chaussée. J'ai jeté discrètement un coup d'œil à ma montre. 19h30. Parfait, comme prévu, pensais-je joyeusement. Josh, viens ici tout de suite, a continué mon père. J'ai descendu les escaliers rapidement, frôlant la chute. Mes parents m'attendaient devant la massive porte d'entrée en bois. Bon, je te rappelle les règles. Tu as le droit d'inviter des amis, mais vous restez calme. Vous répondez aux enfants qui tapent à la porte. Les bonbons sont dans la cuisine. Tu nous appelles à 23h sur mon portable. Oui, je sais, je connais les règles. On rentre demain après-midi. On dormira à l'hôtel. En cas de problème, de toute façon, il y a les voisins. Je sais. J'irai les voir s'il faut. Mon père m'a dévisagé avec insistance. Pas d'alcool. Ni de drogue, oui, je sais. Papa, tu me fais confiance, non? Oui. Bon, à demain. Ils m'ont embrassé chacun à leur tour, avant de partir dans la voiture. Dès que la lumière des phares a disparu, je me suis mis à la préparation de ma soirée. J'avais invité quelques amis pour fêter Halloween. Nous allions faire une soirée inoubliable. Le sel, les bougies, tout était prêt. Nous allions garder les bonbons pour nous. J'avais posé sur la porte une feuille indiquant que nous ne participions pas à Halloween. Les enfants n'allaient donc pas nous déranger, normalement. Vers 20h30, mes amis sont arrivés. Pas un seul en retard. Il y avait mon meilleur ami, Travis, ma petite amie, Sally, une de ses amies, Marie, et un autre ami à moi, Axel. Ils sont entrés rapidement. Le temps s'était étrangement assombri et des nuages effrayants s'étaient formés. « Salut !» dis-je en ouvrant la porte. « Entrez vite, les pizzas sont prêtes. Installez-vous dans le salon. » J'embrassai ma petite amie, qui a tout de suite pris la direction des canapés en guidant Marie et Axel. C'était la première fois qu'ils venaient chez moi. Et il faut dire que ma maison était plutôt imposante. Grande porte en bois massif, charpente visible et plus de 200 mètres carrés de rez-de-chaussée. Le terrain idéal pour notre projet nocturne. Notre petit jeu, je l'avais organisé avec Travis. On avait mis le nez dessus en fouillant sur internet, sur un site racontant des histoires paranormales. Personne ne l'avait véritablement essayé, et ceux qui avaient tenté le recommandaient fortement pour ceux qui voulaient des sensations fortes. Tout le monde à cette soirée avait accepté de participer, sans rechigner, mais ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. On leur avait juste dit que ça allait être effrayant. Sally étant une adepte du surnaturel, elle avait accepté la première, et elle avait motivé Axel et Marie. Alors que tout le monde était installé dans le canapé, Travis m'a aidé à sortir le repas du four et à répartir le matériel nécessaire par candidat. « Ça suffira ça à ton avis ?» ai-je demandé à Travis. « T'inquiète, j'ai aussi ramené quelques bières et une bouteille de vodka, histoire de nous mettre dans l'ambiance. » Je restais sceptique lorsqu'il m'a annoncé son cadeau. « Ouais, mais vous abusez pas, hein ?» Non, parce que j'ai promis à mon père mais qu'il ne remarquera rien. On rangera les bouteilles après, t'as pas de soucis à te faire. » Malgré toute la préparation et l'organisation dont on avait fait preuve, j'avais un peu peur que ça tourne mal. 22h30. Les pizzas étaient mangées et on était avachis sur le canapé devant un film d'horreur. Sally était blottie dans mes bras. Marie avait tenté une approche sur Axel, qui s'était révélée victorieuse. Travis, quant à lui, commentait les effets gore du film mal fait, son verre de vodka à la main. Plus qu'une heure et demie. Oh, tais-toi, j'écoute. Il a rigolé et s'est installé plus profondément dans le fauteuil en cuir. Je me suis levé pendant le film pour aller appeler et rassurer mes parents, comme promis. Ça m'a fait louper une scène marrante, mais au moins, j'étais sûr d'avoir la paix pour le reste de la soirée. 23h30, le film venait juste de se terminer quand Travis s'est levé. Je vais aux toilettes, je reviens. En passant devant moi, il m'a donné un léger coup de coude et m'a appelé discrètement. Nous nous sommes alors dirigés vers la cuisine. T'as vraiment tout ce qu'il faut? Papier, crayon, aiguille, bougie, allumette, aisselle? Ouais, t'inquiète, j'ai tout préparé. Mais mec, par contre, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Mais t'inquiète, c'est qu'un jeu. En quoi ça pourrait mal tourner? T'as peur que les fantômes viennent te toucher les fesses ou quoi? C'est toi qui arrête pas de dire que c'est des conneries. Mais je sais pas pourquoi je stresse en fait. Je sais que c'est du fake. Eh ben parfait alors. Allez viens, on va leur expliquer les règles. Nous avons emmené le matériel dans le salon.
Tout le petit groupe a été étonné de le voir débarquer avec autant de babioles. C'est pour la surprise, ça ? Demanda Sally. Ouais, ai-je répondu en répartissant les objets. Vas-y, Trévis, explique en quoi ça consiste. Nous allons faire ce soir le jeu de minuit. Pour faire simple, on a jusqu'à 3h33 précises à partir de minuit pour traverser la maison de Josh. Étant donné que pour Axel et Marie, c'est la première fois qu'ils viennent ici, on va leur faire la visite de la maison et le trajet à faire. Sally, tu nous accompagnes pendant que ton copain prépare le matériel ? Ok, à tout de suite, Josh. Elle m'a embrassé avant de partir avec les autres, me laissant seul dans le salon. J'ai réparti les bougies, nous permettant de nous déplacer dans le noir, avec une boîte d'allumettes par personne, le papier et le crayon. Chacun avait aussi une aiguille pour la goutte de sang. Cette dernière était obligatoire pour l'invocation. Le trajet à effectuer était assez simple. Il fallait traverser le salon, la cuisine, le long couloir débouchant sur ma chambre et sortir par la baie vitrée donnant sur la piscine à l'extérieur. En gros, il fallait quelques petites minutes avec les lumières pour traverser tout ça. Le jeu devrait se terminer vers minuit et demi. Après un quart d'heure de visite poussée, le groupe est revenu dans le salon et s'est installé sur le canapé. J'ai alors commencé l'explication de la soirée. Bien, nous allons donc invoquer l'homme de minuit. Pour cela, nous allons nous placer juste après devant ma porte d'entrée en bois. Chacun va écrire son prénom sur un papier, va déposer une goutte de son sang avec l'aiguille qu'il va étaler le plus possible. Puis, vous poserez la bougie allumée sur le papier qui sera devant la porte. Il faudra que tout le monde tape 22 fois sur la porte et le dernier coup devra tomber parfaitement sur minuit pile. Autrement, ça risque de mal tourner. Comment ça mal tourner ? S'inquiéta Marie. T'as pas à t'en faire. On gère la situation. Une fois que c'est fait, il faudra traverser la maison, bougie à la main. L'homme de minuit est un esprit, pas une personne à part entière. Donc vous devrez l'éviter à tout prix. Si votre bougie s'éteint, c'est qu'il est proche. Vous avez alors 10 secondes pour allumer votre bougie avec les allumettes. Si vous n'y parvenez pas, vous devrez utiliser le sel pour faire un cercle autour de vous. Et si jamais on n'arrive pas à faire le cercle ? L'homme de minuit viendra à votre rencontre. Et vous vivrez votre pire cauchemar jusqu'à 3h33. D'un coup, Axel a éclaté de rire. Genre, on va voir ta tronche en gros plan jusqu'à 3h33. On verra à minuit. Mais viens pas pleurer si t'aperçois une ombre. On se calme. Bon, je vais expliquer ce qu'il faut absolument pas faire. Alors, interdiction de s'éclairer avec autre chose que la bougie. Donc les portables, vous les éteignez. Pas une seule autre lumière ne doit être allumée. Donc j'irai couper le disjoncteur juste après. Le jeu se termine à 3h33. Interdiction d'aller dormir pendant ce temps. Mais le plus important, ne jamais, jamais, jamais provoquer l'homme de minuit. Axel a rigolé encore plus fort que la première fois. Oh, ne jamais, mais jamais provoquer l'homme de minuit, voyons. Vas-y, ferme-la, toi. Écris ton nom sur le papier et mets une goutte de sang. Allez, hop, hop, hop. Chacun a écrit son nom dans le silence. Puis, avec l'aiguille, a déposé sur les papiers une goutte de sang bien étalée. Bien, continuai-je en suçant mon doigt piqué. Maintenant je reviens, je vais éteindre les lumières. Pendant ce temps, allumez déjà vos bougies, et prenez votre boîte d'allumettes et celle. Je suis descendu à la cave. Ça faisait bien des mois que je n'y étais pas descendu. La poussière avait envahi le sol. Des toiles d'araignées gigantesques s'étaient formées dans les coins du mur. En me dirigeant vers le disjoncteur, j'ai entendu un faible ricanement, un rire sinistre qui m'a fait trembler. Arrêtez, c'est pas drôle, les gars. Sortez de là. Personne ne m'a répondu. Allez, ça y est, je commence déjà à délirer. J'ai éteint rapidement l'électricité et j'ai pris le chemin des escaliers lorsqu'un vent glacial m'a stoppé. Une voix faible m'a parlé. Ne te retourne pas. Tremblant de peur, j'ai couru jusqu'en haut et j'ai fermé la porte de la cave à clé. En me retournant, une lumière blanche m'a aveuglé. Tout va bien ? T'as vu un esprit ? Non, c'est juste que ça caille là-dedans. Heureusement que toi t'es là pour me réchauffer. Elle m'a embrassé, puis m'a guidé jusqu'à la porte d'entrée. Ils avaient bien disposé les bougies sur les papiers et se tenaient tous debout devant la grande porte en bois. Trévis m'a tendu mon sel et ma boîte d'allumettes. Viens à côté. Ta bougie est juste là. Je me suis mis en place et j'ai fixé mon cadran de montre.
Il était 23h56. 1. Tout le monde se tenait droit, le visage faiblement éclairé par la lueur des bougies. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Je commençais à trembler. 16. 17. 18. 19. 20. Préparez-vous à éteindre vos bougies. 21. Minuit pile. 22e coup. Nous avions compté juste. Tout le monde a soufflé sur ses bougies. J'allais ouvrir la porte, mais la poignée s'est tournée légèrement d'elle-même. Il est là. J'ai entrouvert la porte, je l'ai refermée rapidement, et d'un coup sec, j'ai craqué une allumette. Ma bougie était allumée. Travis s'en était occupé. Le premier arrivé à la piscine a gagné. Bienvenue à toi, homme de minuit. Tout le monde a pris un chemin différent. Travis et moi étions restés devant la porte d'entrée. Je crois qu'ils n'ont pas bien imprimé le parcours. Tant pis pour eux. On les reverra dans 3 heures en plein cauchemar. Sur ce, il a pris la direction du salon. J'ai attendu quelques minutes avant de prendre la même direction que lui. J'avais l'impression de ne pas visiter la même maison. Que tout avait changé. L'atmosphère était lourde, pesante et glauque. J'entendais de temps en temps des rires, ceux de mes amis. Mais parfois, j'entendais comme une respiration derrière moi. Comme une personne qui me suivait tout doucement. D'un coup, ma bougie a frôlé l'extinction, mais avec ma main, je la protégeais des coups de vent. Le salon avait changé, véritablement changé. Les meubles avaient bougé, et des symboles étaient inscrits sur les murs. Travis, c'est toi qui as déplacé tout ça ? Pas un bruit, pas une seule réponse. Mes pas résonnaient dans le salon. La table était renversée. La télévision me paraissait grésiller étrangement, quoique j'étais certain qu'il n'y avait plus d'électricité. Soudain, un grincement, juste derrière moi, puis un souffle dans mon cou. Ma bougie a vacillé quelques secondes avant de faiblir dangereusement. J'ai tâté vainement mes poches d'une main tremblante. « Non, tiens le coup, allez, c'est pas le moment de sortir le sel !»« Prépare une allumette juste au cas où. » Je me suis immobilisé au milieu de ce salon que je ne reconnaissais pas. Ma bougie ne vacillait plus. J'étais dans un nouvel endroit, effrayant. Je voulais partir d'ici, mais je ne pouvais pas. J'ai regardé ma montre avec l'aide de ma bougie. Minuit 14. Ça ne faisait que commencer. J'avançais tout doucement vers la cuisine quand j'ai entendu un cri. Pas un cri de peur ou autre, mais un râle sinistre, provenant de l'étage. Comme si quelqu'un agonisait. Hey, « Hé, est-ce que tout va bien ?» Une voix a chuchoté à mon oreille. Ne jamais me défier. Je me suis retourné rapidement, dans l'espoir de trouver Travis ou Axel me faisant une blague. Mais personne n'était derrière moi. Simplement le mur. J'arrive ! J'ai fait demi-tour et je me suis dirigé vers l'escalier. Le premier étage était composé d'une salle de bain, de ma salle de jeu avec mes consoles et mon ordinateur, et d'une chambre d'amis. En arrivant devant les escaliers, il me semblait beaucoup plus long. Tant pis, faut que j'aille voir. Je suis monté tout doucement, quand quelque chose est tombé sur mes cheveux. Une goutte. Je touchais en tremblant mon crâne, et j'ai éclairé mes doigts à la bougie. Du sang! Du sang! Avait coulé sur mes cheveux. Je n'osais même pas relever la tête. Je tremblais de tout mon corps, et ma bougie ne vacillait pas. L'homme de minuit n'était donc pas à côté. J'ai continué mon ascension vers le premier étage, en essayant d'ignorer les gouttes de sang qui me coulaient sur le haut du crâne. Arrivé au premier étage, tous les cadres étaient tombés par terre. Des pentacles étaient dessinés sur les murs. Des yeux étaient dessinés avec une couleur que j'ai mis du temps à identifier. Un rouge pourpre. C'était encore du sang. Le couloir s'était aussi allongé, offrant 4 nouvelles portes. C'est impossible, c'est un cauchemar. 3e cri. Il provenait de ma salle de jeu. J'ai avancé tout doucement vers la porte, puis je me suis baissé pour essayer de distinguer de la lumière sous la porte. Rien. L'homme de minuit avait dû avoir l'un d'entre nous dans la salle. Comment il s'est retrouvé ici? J'espère qu'il a fait le cercle de sel. Je rentre.
La porte a grincé sur ses gonds. Dès le premier pas que j'ai fait dans la pièce, plusieurs bougies se sont allumées autour de moi. Et Axel était là, au centre de la pièce. Il était cloué par les mains, les pieds et le ventre. Il était dans un pentacle, dessiné avec son propre sang. Mon Dieu, Axel ! Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase, que j'ai vomi tout mon repas par terre. Ses yeux regardaient dans toutes les directions. Les bougies, installées dans la salle, à la place de mes consoles, de ma télé et de l'ordinateur, ont vacillé. Il est là. J'ai rebroussé chemin, sans le lâcher des yeux. Il a hurlé de nouveau, et toutes les bougies se sont éteintes. Repensant aux règles, j'ai refait craquer une allumette, et ma bougie était de nouveau étincelante. Une ombre était apparue devant moi. Mais en voyant la bougie, elle a disparu en courant vers le rez-de-chaussée. En me retournant pour jeter un dernier regard à Axel, j'ai vu qu'il avait disparu, laissant place à une large flaque de sang. Minuit 42. J'avais fouillé tout le premier étage, et je n'avais rien trouvé. Les nouvelles portes amenaient dans des pièces vides, sans aucun intérêt. Seule une pièce inconnue était fermée à clé, au fond du couloir, et un filet de lumière sortait par le trou de la serrure. La salle de bain était maculée de sang, et remplie de ce qui me semblait être de nombreux outils de torture. Après plusieurs minutes de recherche, j'ai décidé de redescendre dans le salon et continuer le chemin vers la piscine. Le salon avait encore changé. La télévision était débranchée. On pouvait voir le câble au milieu du salon, mais elle continuait à grésiller. J'ai décidé de ne pas m'attarder dans cet endroit et j'ai continué mon chemin vers la cuisine. Bizarrement, rien n'y avait changé. Quelqu'un avait juste placé une simple bougie sur le bar, histoire d'éclairer un peu plus la pièce. Mais sinon, pas d'inscription satanique sur les murs, pas d'objets détruits ou de couteaux couverts de sang. Tout était impeccable. Jusqu'au souffle. Un souffle qui a éteint toutes les sources de lumière. Je me suis retrouvé dans le noir total pendant quelques secondes, le temps de rallumer ma bougie. Et tout avait changé à nouveau. Le bar, qui était alors à ma droite, se trouvait en face de moi. Un pentacle géant était dessiné sur le sol. Une traînée de sang se trouvait en face de moi, continuant vers le couloir. Je savais, merde, on n'aurait jamais dû jouer à ça! J'ai suivi la traînée de sang. Plus j'avançais, et plus elle s'étendait. Elle devait normalement suivre le couloir et arriver dans ma chambre ou une autre pièce. Mais non. Elle a tourné vers la gauche et est allée vers un escalier. Il n'était pas là avant. Cet escalier était apparu dans ma maison. Il montait encore plus haut que le premier escalier. Un deuxième étage? Je savais pas quoi faire, mais j'avais trop peur pour l'emprunter. J'allais continuer mon chemin quand une voix m'a stoppé. Josh, viens s'il te plaît. Viens m'aider. Je t'aime, Josh. Cette voix, c'était Sally. Sally? C'est toi? J'avais les larmes aux yeux. J'entendais enfin une voix que je connaissais. Viens, je t'aime. J'ai besoin de toi. Pourquoi tu m'as abandonné, Josh? La voix venait d'en haut des escaliers. De ces fameux escaliers. J'ai tout de suite fait le lien entre Sally et la traînée de sang. Non, c'est pas possible. J'arrive, Sally, attends-moi. Pourquoi tu m'as laissé? Plus je montais, plus la voix était forte. Je t'ai pas abandonné, j'arrive. Tu t'éloignes de moi. Pourquoi? Non, je suis juste là, attends-moi. Une porte s'est dessinée avec la faible lueur de la bougie. Il fallait que je l'aide, que je la sorte de cet enfer. Mais je ne reconnaissais pas sa voix. À l'intérieur de moi, j'avais un doute. J'avais peur que ce soit un piège. Mais elle continuait à m'appeler. Et je pouvais pas la laisser ici. J'allais actionner la poignée quand une voix m'a appelé. Redescends, Josh. C'est pas elle. C'était Travis. C'était sa voix. Mais elle est juste là. C'est pas elle. Redescends vite. On se rejoint à la piscine. C'est un bordel pas possible. Je suis redescendu en vitesse, essayant de ne pas faire attention à la fausse voix de Sally. Je souffre, Josh. Et tu me laisses là. Tu ne m'aimes pas, Josh. Tu ne m'as jamais aimé. J'ai mal. J'ai mal. La voix continuait de répéter cette phrase, comme un CD rayé. J'ai mal. J'ai mal. Une fois arrivée en bas, elle s'est tue. J'ai repris mon chemin vers ma chambre, complètement chamboulé.
La porte de ma chambre était entrouverte. En me retournant encore une fois, j'ai vu une ombre avancer tout doucement vers nous, comme si elle nous suivait. Mais le pire, c'est que je n'arrivais pas à voir les escaliers que je venais d'emprunter. Ils avaient disparu. Elle veut pas s'ouvrir, ta putain de baie vitrée! Travis tentait, en vain, d'ouvrir la fenêtre. Il avait posé sa bougie sur ma table de chevet. Regarde, ta putain de piscine est juste derrière! On est à quelques mètres de la victoire! Et ça veut pas s'ouvrir, bordel! J'essayais à mon tour. Rien à faire. Elle était complètement bloquée. Oh putain, merde! On avait essayé juste avant, ça marchait impec! Ouais, mais là, tu vois, c'est un peu un bordel monstre. On est plus que deux, y'a du sang partout, des trucs de Satan sur les murs. Balance un truc contre la fenêtre. Tant pis si je me fais engueuler, faut sortir de là. Il a posé sa bougie par terre et a attrapé ma table de chevet. Écarte-toi. Il la lança de toutes ses forces contre la vitre. Pendant ces quelques instants, je me sentais enfin libre. Nous allions enfin nous en sortir, sauver les autres et ne plus vivre ce cauchemar. Mais nos rêves ont vite été estompés. La table avait rebondi contre la vitre, sans même lui faire la moindre marque d'impact. C'est pas possible. Travis a réessayé. Rebelote. La table est retombée sur le sol et s'est cassée en plusieurs morceaux. De rage, Travis s'est jeté sur la fenêtre et a frappé de toutes ses forces avec ses poings. Il commençait à avoir les mains rouges, mais il n'y faisait pas attention. Il frappait de toutes ses forces, malgré la douleur. Laisse tomber, Travis. Il faut juste attendre. J'en peux plus. Je veux en finir. J'ai pris le sel de sa poche et j'ai fait un cercle autour de lui. Écoute, d'après les règles, tu risques rien ici. Alors, s'il te plaît, reste là et attends 3h33. Là, il est exactement... Mon espoir a disparu dès l'instant où j'ai vu l'heure. Minuit 56. Mais attends, c'est pas possible. Il devrait être au moins 1h30, là, pas 1h. Le temps passe moins vite ou quoi? Chien avec toi, a dit Travis en repoussant le sel. Je vais pas rester ici tout seul. Faut retrouver les autres. Décidés, nous sommes repartis vers le salon, puis vers la porte d'entrée. Les meubles n'arrêtaient pas de changer de place. Des nouveaux symboles sont apparus. Il fallait sortir de ce cauchemar. Soudain, je me suis souvenu de la porte bloquée au premier étage. Attends mec, il y a une porte en haut qui est fermée. Ça se trouve, c'est une sortie ou un truc du genre. Ça vaut le coup d'essayer, non? Nous avons monté les escaliers, tout doucement. Les voix se rapprochaient dangereusement de nous. Malgré les ombres et les murmures, nous avons avancé vers la fameuse porte. Alors que nous étions à quelques mètres, un coup de vent a éteint nos bougies. Je n'ai eu aucun mal à rallumer la mienne, mais Travis avait plus de mal. Ses allumettes ne fonctionnaient pas. Merde! Dépêche-toi, t'as que quelques secondes! Sinon, utilise le... Le sel. Il n'avait plus de sel. Je l'avais gaspillé quand nous étions dans ma chambre. Nous nous sommes regardés. J'ai lu de la peur et de la haine dans son regard. Il savait qu'il allait y passer. C'était trop tard pour lutter. Il a lâché sa bougie, a essayé de murmurer quelque chose, mais c'était trop tard. Quelque chose l'a tiré par les jambes. Il a hurlé à la mort, mais l'ombre l'a tiré vers la salle de jeu, là où Axel était mort. Je n'osais même pas imaginer ce qu'il allait subir. Putain, non, merde! J'étais seul. J'arrivais en face de la porte et j'ai posé ma main sur la poignée. La lumière était plus intense qu'avant et éclairait une petite partie du couloir. J'ai tourné par automatisme la poignée. J'avais déjà essayé avant et la porte était fermée. Mais là, c'était ouvert. La porte était ouverte. Nous étions si près du but. Je devais avancer. Sortir de là, prévenir les secours. J'ai ouvert la porte. Et une lumière blanche m'a aveuglé. Ça y est, je vais sortir d'ici. J'ai fait un premier pas dans la lumière. Et d'un coup, je me suis senti plus léger, serein et en sécurité. C'est alors que j'ai fermé les yeux. Je sentais des personnes autour de moi. Il se réveille. Une lumière m'aveuglait encore. J'ai ouvert les yeux, mais c'était flou. Ça va, Josh? C'était Sally, avec le groupe. Il y avait Travis, Axel et Marie. Qu'est-ce qui s'est passé? On jouait au jeu, et on t'a entendu hurler à la mort, donc on est venu te voir. T'étais pâle comme un linge, limite gris. T'avais pas de sel et ta bougie était éteinte. T'as dû te faire avoir par l'homme de minuit.
J'en croyais pas mes oreilles. Je m'étais fait avoir comme un bleu. L'homme de minuit m'a eu depuis le début. Alors c'était qu'un cauchemar ? Oui, tu n'as plus à t'en faire maintenant. Me rassura Sally, en me prenant dans ses bras. Mais il est quelle heure ? Il doit être 2 heures. Et vous avez rallumé la lumière ? Bah oui, pourquoi ? Un silence s'est abattu sur la maison. Un silence surnaturel. Les lumières se sont toutes éteintes, d'un seul coup. Et le cauchemar a recommencé. Drame pendant Halloween. 5 adolescents ont été retrouvés massacrés dans la maison de l'un d'eux. Il semblerait qu'ils jouaient à un jeu nommé « L'homme de minuit », basé sur des faits paranormaux. Une enquête est en cours sur les circonstances du massacre. Les autorités privilégieraient l'hypothèse du coup de folie de l'un des adolescents. Un seul indice semblerait être associé à la cause paranormale. Un message inscrit avec le sang d'une victime sur un mur. Ne jamais contrarier l'homme de minuit.